À Bièvre, c'est désormais une tradition. Les comités de parents organisent l'accueil du 1er septembre. Ce matin, dès 7h45, les premiers enfants sont arrivés à l'école avec des sentiments partagés. Bien sûr, c'est la fin des vacances, mais c'est aussi le moment des retrouvailles ou celui des découvertes. Nouvelles têtes, nouveaux enseignants ou nouveaux espaces. À Bièvre, en tout cas, on a le moral. L'enseignement et les écoles se portent bien puisqu'on vient d'inaugurer de nouveaux locaux pour l'école maternelle. Le nombre d'enfants est stable, voire même en légère augmentation, et ce dans les 6 implantations, que ce soit à Grède, à Oisy, à Petit Failly ou Naomé et Bièvre. Donc, Grède Station, nous sommes satisfaits de la rentrée a priori, et on a même pu cette année avoir la chance d'inaugurer une nouvelle classe à Bièvre et de rénover les anciennes classes maternelles. Donc, nous sommes satisfaits. Madame Ludivine, Madame Sylvie et les petits de deuxième maternelle seront donc les heureux occupants de la nouvelle classe, spacieuse et lumineuse. Elle est équipée d'une vaste cuisine, adaptée à la taille des adultes, mais aussi à celle des enfants. Et puis l'école dispose enfin de sanitaires décents. Nous avons maintenant 3 classes maternelles, une classe de pré-maternelle et de première, une classe de deuxième et une classe de troisième maternelle. Alors ça veut dire que c'est de très bon augure pour l'enseignement ici dans le village ? Ah, c'est très très bien et ça ne fait qu'augmenter. Donc même pour le niveau primaire après, c'est très bien. Comme dans quelques écoles du réseau de l'enseignement communal, les enfants de Bièvre recevront aujourd'hui dans leur cartable tout le matériel nécessaire, cahiers, crayons et manuels. L'école n'a rien à envier aux autres institutions, entre l'accueil temps libre, la cyber-école et une approche du néerlandais dès la troisième maternelle. Sur les 300 enfants environ qui fréquentent les écoles de la commune, près d'un tiers vient à l'école de Bièvre. L'école est située au cœur du village. Les classes maternelles sont à côté de la crèche, ce qui assure une belle synergie entre les diverses unités. Pour ces premières heures du 1er septembre, les bambins étaient encore bien calmes. Nul doute que d'ici quelques jours, ils auront trouvé leur marque pour une nouvelle année scolaire.